What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est l'épisode numéro 21 de notre série de factions sur iFaction Z. Les amis, mon propre serveur, si vous ne saviez pas, vous n'étiez pas au courant, vous pouvez venir vous connecter avec le PayPlay iFactionZ.net. Excusez, j'ai genre bugué en ce moment. Donc dernièrement les amis, dans mes vidéos, il y a eu des petits bugs de son. Donc je vais essayer de corriger ça aujourd'hui, je vais essayer de retourner avec Sony Vegas. En fait, je suis passé sur Windows 10, vous voyez. Vous savez c'est quoi le genre le truc Windows 10? Et puis j'ai eu un petit problème avec ça, puis donc genre voilà, je sais pas trop, mais montage il bug maintenant quand je fais ça. So, si vous avez des conseils, genre des configs Sony ou Sony Vegas ou quelque chose pour essayer peut-être de régler ça, ce serait vraiment vraiment cool, s'il te plaît, j'apprécierais énormément. Donc voilà, on va commencer les amis directement par vous parler du serveur. Donc on est en ce moment, je vais voir, 150 personnes, donc il est quand même, je vais checker, ouais, il est quand même 23h ou 20h, ouais, 20h en France, donc c'est quand même énorme les amis. On a eu 300 personnes, 300, aux alentours de 310, 315 à peu près, lors de l'ouverture, mais on a eu un putain de problème les amis. En fait, l'optimisation de la machine était pas complètement correcte, donc un gros merci à HunterFight, et puis spécialement à MC Hunter, qui nous a vraiment aidé à corriger tous les problèmes. Vraiment, un gros merci à toi mec, je sais pas si t'écoutes mes vidéos, mais si tu passes par ici, un gros merci. Et puis je vais mettre leur Twitter dans la description, allez follow leur Twitter, parce que je pense qu'ils vont rouvrir un serveur peut-être dans long, peut-être pas bientôt, mais allez quand même follow leur Twitter, ça, c'est vraiment, ils nous ont vraiment aidé de fou les amis. Si ça n'avait pas été de eux, on a vraiment été dans la merde, so vraiment merci. So qu'est-ce qui est arrivé ensuite, c'est qu'on a relancé le serveur, et puis il y avait encore un problème, d'autres problèmes, et on a fait genre 5 redémarrages, et puis là maintenant, tout est stable, je vais vous montrer tout de suite après, tout est stable. Donc 145 joueurs sur le network, parce que bon, au total il doit en avoir je sais pas combien dans la faction. On va aller voir tout droit en se dirigeant vers le portable. On a le portable 141, et puis vraiment aucun lag les amis, c'est fluide comme avant c'était. Donc voilà, gros merci à eux. Donc ouais, comme je disais, il y a eu des gros problèmes, quand même 300 joueurs qui sont venus, mais sont pas nécessairement restés, c'est comprenable d'ailleurs. Salut YouTube, je filme, coucou. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé. Et puis, ouais, c'est un peu dommage les amis, mais en même temps, je veux dire, c'est comprenable, je veux dire, normal quoi. Et puis on a aussi, ben comme vous avez vu, on a reset. En fait, hier dans la vidéo, on avait commencé avec Exodia et tout, mais on s'est dit que c'était pas juste pour personne et tout. Donc on a décidé de reset tous les grades, comme vous voyez, j'ai aucun grade, hier j'avais grade et tout. Donc j'ai préféré ne pas rien mettre. So, j'ai décidé de préparer, de vous montrer le serveur en étant joueur. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que vous avez comme permission, etc. Donc, en gros, vous avez le SC, le feed, j'ai déjà expliqué. Vous avez ensuite des kits. Donc, vous avez deux kits 2016 qui donnent des trucs assez cheatés. Pas ça, normalement. Il vous donne juste ça. Qui est quand même assez OP, l'œuf de Creeper. Tout ça, tous les semaines, je crois. 7 jours, ouais. J'étais pas sûr à 100%, donc voilà, ça c'est quand même cool. Vous avez des feux d'artifice, des bouteilles d'XP, bon, 9 de creeper, c'est pas super OP, mais c'est juste pour, c'était pour vous souhaiter la joyeuse année avant, donc on l'a gardé, on va le garder jusqu'à la fin du mois de... au début février, on va le garder pour mon anniversaire, jusqu'à mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 12 février. Pour ceux qui savaient déjà, ben, SoSuite avait fait une vidéo l'année passée pour ça, donc bon, sûrement que tout le monde le savait déjà. So, ouais, c'est ça, pour le 12 février, il va être retiré aux alentours du 10-12 février, là, je sais pas exactement. Pour les remboursements les amis, ça se passe sur le TeamSpeak. Donc vous allez dans le channel remboursement et vous allez être remboursé. Pour les AP les amis, beaucoup de gens attendent ça. Donc les AP, ça va être aujourd'hui à l'heure que vous écoutez cette vidéo là. Donc là à l'instant on est le 9, le 10 janvier à 16h pile poil les amis. Aux alentours de 16h, donc 16h et en haut quoi, ça sera pas avant 16h. Donc à 16h, venez vous connecter au serveur, essayez de claimer un AP. Au pire vous pouvez le revendre, y a pas de problème les amis. Je sais qu'il y en a beaucoup sur des serveurs qui font ça, c'est qui viennent pour claim des AP et qui les vendent sur PayPal. On autorise nous aussi, enfin, on n'y a pas de règles contre ça, donc voilà. Le seul truc qu'il n'y a pas sur ça, c'est les arnaques, donc quand il y a une arnaque ou quoi que ce soit, vous allez être sanctionné. Donc, hey, arrêtez de me suivre comme le bâtard là. Donc voilà, je voulais vous remercier chacun d'entre vous les amis qui est venu sur serveur juste même une fois dans la version 1, 2 et puis le petit reset qu'ils viennent d'avoir. Un gros merci à tous vous les amis, vous comprenez pas à quel point je suis vraiment vraiment reconnaissant. Je pensais que le serveur allait pas marcher finalement quand même, il y a eu quand même plus de 300 personnes qui sont quand même connectées. Ils sont pas nécessairement restés à cause des lags, mais je suis pas mal confiant que le serveur va tourner aux alentours de 100 connectés. Et c'est ce que j'avais demandé, c'est ce que je voulais, donc je suis vraiment 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 content. Autre chose que je devais vous dire, c'est que il y aura des recrutements staff. Donc avec Malfox, on va déterminer une date, donc revenez au spawn souvent pour voir les news ici. Donc il y aura une date, elle va être marquée ici.
Et puis voilà. Donc un gros merci à vraiment à Interfight encore une fois pour les lags. Et là, on va vraiment commencer la présentation dans le fond du serveur. En gros, qu'est-ce qui marche en ce moment. Donc, pour commencer, vous allez pouvoir faire vos kits et tout. Tout faire ce que vous avez. Si vous avez vous allez être remboursé, etc. Inquiétez-vous pas avec ça, pas de problème. Vous n'allez pas avoir accès au Lucky Box maintenant. Ça va vous dire 0000. Le site, il reste quelques petits trucs à faire. Donc, il y a un petit problème en fait avec la récupération de mots de passe en ce moment. Et la boutique PCF Card. Donc, quand vous achetez des PCF Card, avec des PCF Card, il y a des petits problèmes. Donc, on corrige ça et le site devrait être live normalement bientôt, le plus tôt possible. Donc, limite au début de semaine. Vraiment, on essaie de le développeur web avec Xenoris Dev, son site est dans la description, son Twitter aussi. Un gros merci à ces deux gars-là, qui Interfight et lui, qui travaillent vraiment à fond pour nous aider, et j'apprécie énormément. Donc aussi, le développeur des plugins, il travaille sur le iCube. Il y avait un problème avec le iCube, comme vous en doutez. iCube et iMod avaient des problèmes, so on a décidé de les retirer pour essayer de gérer le truc. Donc voilà. Ensuite, il y a la limite de map qui est en 25 000, je crois. 25 000, il y avait des petits problèmes de bugs de map, c'était corrigé, plein. Tous les bugs ont été corrigés, les amis, donc venez nous rejoindre, c'est le moment. Manquez pas votre chance de commencer votre faction, récolter vos émeraudes, et quand le plugin d'IQ va arriver avec aucun bug, les amis, vous allez directement avoir des points et tout, ça va être vraiment cool. J'espère que vous êtes chaud patate, les amis, et puis j'espère sincèrement, les amis, que vous allez venir faire un tour. Donc encore merci à tous ceux qui sont déjà venus. Donc les amis, le let's play va commencer maintenant. So, en gros, on va être dans notre faction qu'on va la créer. Ça va s'appeler Tira Nigga. D'ailleurs, je vais changer. C'est quoi le pack de texture que j'utilise? On va jouer avec. On va garder celui qu'on utilisait dans le fond. YOLO. Et puis en gros, j'utilise un pack de textures que j'ai pris sur internet en fait. Je sais pas trop c'est quoi. Je vous le mettrai en description. Sinon, ben attendez mon pack folder qui va sortir un jour. Donc voilà. So, en gros, on va sortir. Il n'y a pas de téléportation aléatoire encore. Il va être activé bientôt, les amis. L'End, le Nether, tout ça va sortir plus tard. So, on va essayer de se rendre un peu plus loin. Puis on va se retrouver. En fait, c'est vous quoi? Je vais juste vous faire ça comme vidéo. Je pense que c'est déjà bien. Je veux dire, c'est pas méchant ou quoi que ce soit. Vous allez avoir un kit joueur aussi, hein, les joueurs. Vous allez avoir un kit joueur. Je vais rajouter un kit joueur. J'attends juste de voir comment l'économie va se dérouler, etc. Ah, je vous ai pas montré le shop. Merde, je suis tellement con. Je suis tellement excité, les amis. Je suis tellement content. Je sais pas quoi par quoi que vous montrer. Je suis vraiment désolé. Donc, j'allais vous montrer ça. En gros, vous avez le diamant, l'or et tout ça en vente. Pour acheter ce côté-là, je crois que c'est acheter. Ici, c'est... non, ça c'est vendre. En gros, vous vendez votre fer, vos diamants, etc. Et ici, vous achetez. Donc, pour 1000, vous avez un repeater. Pour 1500, un hooper, un under chest, table d'enchant et puis un beacon. Donc, vraiment, pas beaucoup d'items en vente. Mais c'est vraiment les items importants du serveur. Et c'est vraiment autour de ça que ça va jouer. Vous allez pouvoir acheter avec l'argent, les amis, d'autres trucs dans le futur. Vous allez voir, ça va être quoi. Donc, par exemple, les kits, les trucs comme ça. Donc, c'est bien de se faire de l'argent maintenant. Dans le futur, on va avoir d'autres systèmes qui vont sortir pour acheter peut-être les kits en jeu, les autres trucs comme ça. Donc, préparez-vous pour ça. Ensuite, les shops ici. Bon, je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que vous pouvez farmer. Donc voilà, ici ça va être un nouveau PNJ. Ça va être le PNJ semaine, non. Les PNJ week-end vont être ici. Et puis là, pour l'instant, ben, vu qu'on est le week-end, mais c'est l'ouverture, on a décidé de pas rien mettre pour l'instant. Clé à spawner, 14 blocs d'émeraudes de trucs pour une clé à spawner, ça marche très bien, les amis, aucun problème. Quand vous trouvez un temple de l'eau, vous êtes vraiment OP dans le fond avec ce PNJ là. Ensuite, citrouille, biscuits, ça. Ici, ça va être les carottes et puis le blé en fait. Il manque les carottes et puis les patates qui vont être dans ce PNJ là. Donc voilà, je vais vite fait faire le message à Keshok, s'il doit passer regarder ça. Ensuite, table d'enchant, les amis, on n'a pas enlevé les enchantements en 1.8. Donc vous pouvez enchanter avec la 1.8. On trouvait que c'était spécial vu que tous les serveurs 1.8 les enlèvent. Mais finalement, ouais, c'est quand même cool de les garder, les amis. Vous avez besoin de votre truc ici. Bon, mon texture pack n'est pas adapté pour ça, mais voilà quoi. Ça, c'est peut-être un peu cool. Message Keshok. Fait PNJ, carottes et patates. On va le spammer vu que je suis un fils de pute. Et puis voilà, tu vois. Je suis un bon fils de pute, bien, je suis fier de moi. Donc ouais, ici ça va être le portail pour la téléportation aléatoire. Ici le Nether va être sûrement un Nether custom, même chose pour l'End custom. L'End, en gros, vous allez retrouver une place pour PvP avec des AP dans l'End. En gros, c'est vraiment un monde pour PvP, l'End en fait. Vous allez pouvoir dire genre 1v1 End, et puis ça va être vraiment stylé parce que il y aura des AP aussi dans l'End, il y aura plusieurs trucs dans l'End, vous allez voir. Ça risque d'être assez chill. On va essayer de construire ça avec Ketusama. Pour le KOTH, vous allez avoir les informations du KOTH ici. Donc là pour l'instant c'est marqué règle, mais bon.
bon. Que tout le monde connaît les règles, les amis, sur un serveur. Si vous vous enfreignez les règles, ben tant pis. Ok. Donc voilà, en gros, il y a ça, tout ça, c'est pas mal tout fait. Bon, j'ai pas envie de tout vous spoil ou quoi que ce soit, les amis. On va juste vite fait voir. Oh, non, j'ai pas de home, j'ai pas rien. Comme je dis, j'ai recommencé à zéro comme tout le monde. Je vais me donner un grade VIP et tout. Je vais me set un grade. Mes grades amis, please. Donc voilà, on va ouvrir 5 Lucky Box en espérant qu'on gagne des kits à vie. Donc j'ai des kits ultra, j'ai des box ultra. So voilà, en gros. Oh shit. Holy shit. Holy shit, motherfuckers. Il y a eu un bug, je crois. MDR. Il y a eu un sale bug, mec. Oh putain, non. Ça l'a ouvert les 50 en fait. Et j'ai gagné 4 lucky clés en plus. Holy shit. What the fuck. Ça l'ouvre les 4 clés d'un coup. Il y a un bug. Oh non, faudra corriger tout ça. Lol. Kit. Voilà, j'ai tous les kits, en gros, j'ai gagné tous les kits, c'était sûr à 100% quoi. Oh là là, il y a un putain de bug avec la Lucky Box, les gars. C'est casse-couille. Ouais, c'est chelou. Ok, bon, bah au moins j'ai le bug en vidéo, donc comme ça je pourrais voir qu'est-ce qui se passe des parents. J'ai 4 spawners à pick, bon, ça je vais demander à Keshox de les supprimer. Message, Keshox, supprime-moi mon inventaire, sauf le kit joueur. Genre spawner, beacon, etc. Please. Je veux juste qu'il me supprime en gros ça, ça, et puis. Au pire, tu sais quoi? Non, attends. On va les give ici. Ah non, j'ai lancé les 10 beacons! Non! Je suis trop con, putain! On va lancer 4 spawners. Voilà. Il m'a clear le bâtard. Oh là là, ben y'a quelqu'un qui a eu un spawner, GG. GG, t'es clair, merci. Merci. Donc voilà, y'a des gros problèmes avec le chat, comme j'ai dit, on va essayer de corriger ça le plus tôt possible. En gros, on va mettre un délai de 3 secondes, plein de trucs. Bon, là je vais vous laisser les amis, faut que j'aille continuer à travailler, il y a un remboursement encore à faire. On va se retrouver très bientôt. Je vais corriger le bug de la Lucky Box parce que c'est vraiment, vraiment un gros problème, les amis. Je vous aime, c'est un compte passionné que ça en fait de journée. Merci encore les amis de me faire confiance et d'être venu sur le serveur, j'apprécie énormément. Même si vous n'êtes pas resté, un gros merci à vous les amis. Je vous aime, c'était un compte, passez une excellente journée.